precipitation, even fire. 3 degrees of warming is really disastrous. But 3 degrees of global warming would be catastrophic. Its way there. Since the Industrial Revolution, the Earth has warmed between 1.1 and 1.3 degrees Celsius. This is a problem that babies you pass in the street will have to live with. I saw water flowing from the right side of the temple, a little, and all to whom that water came were saved. They shall say, Alleluia, Alleluia. This ceremony of sprinkling the holy water is a national preparation. It is not a part of the mass. Symbolizes the purification of the soul. Rising sea levels, desertification, rivers swollen by heavier rain and melting Himalayan glaciers are washing away people's homes. Many, like her, have lost everything. Oh!
by giving bread, which is the very marrow of the earth, by giving wine, its very blood. We are giving the two substances which have most traditionally nourished man, and thereby we are equivalently giving ourselves. Whoa!
De solitude pour vous? Ah oui. Oui, je crois que c'est... Je n'envisage pas l'avenir. Je n'ai pas pensé à ça. Cette prolifération de l'être humain qui est pire que celle du rat, c'est effroyable. Les bêtes ne changent pas. Les bêtes sont merveilleuses parce qu'elles sont en contact direct avec la nature. Et ce qui aurait peut-être pu sauver l'humanité, je crois, c'est peut-être la femme, parce qu'elle est encore en contact avec la nature. Elle échappe aux lois, aux imbécilités émises par les anormaux. Les animaux vont disparaître, il n'en restera plus bientôt. En Afrique, c'est de l'hécatombe permanente. Ici, quand je suis venu ici, j'avais une trentaine de nids d'hirondelles. L'année passée, j'ai eu deux nids d'hirondelles et pour la première fois, j'ai ramassé une hirondelle qui était tombée de son nid, qui était tellement, si pauvrement alimentée grâce au progrès de la science chimique qui assassine la terre, qui assassine l'insecte, qui assassine l'oiseau, qui tue toute vie, qui assassine l'homme, on s'en apercevra peut-être trop tard. We'll be right back.
grâce à cela, il n'y a plus d'oiseaux. Dans ce parc, quand je suis arrivé en 1933, c'était merveilleux. Le printemps, c'était une orgie de chants d'oiseaux. C'était quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et je ramasse chaque printemps des oiseaux morts, tombés du nid, ou des oiseaux adultes qui ont mangé des insectes empoisonnés et qui meurent. Thank you.
this curve here. This is called the Z curve, and it represents pollution. Now, predictably enough, as the population increases up to 1980, pollution increases. There's more rubbish. But from 1980 to the year 2020, pollution really takes off. So the year 2020, the condition of the planet starts to become highly critical. And if we don't do anything about it, this is what's going to happen. The quality of life is going to go right back to practically zero. Pollution is going to become so serious that it will start to kill people. So the population will diminish. Less than it was in the year 1900. And at this stage, around about the year 2040, 2050, civilized life as we know it on this planet will cease to exist. Damn you!